Les Moritheriums passent dans l'eau l'essentiel de la journée. Si leur forme évoque l'hippopotame ou même le cochon, ils n'ont de lien avec aucune de ces espèces. Regardez mieux. Leur museau trahit leur véritable appartenance. Narines et lèvres se sont réunies en un muscle unique, une sorte de trompe, avec laquelle ils fouillent le fond pour se nourrir. Ces placides herbivores appartiennent à l'ordre de nos éléphants. Leur masse, de 200 kilos, décourage les plus féroces requins.